Je commande le feu sur toi. Je commande le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu dans ta poitrine. Le feu dans ta tête. Le feu dans ton ventre. Le feu du Saint-Esprit. Je la libère maintenant dans les îles. C'est un ordre. Il a parti. Il a lâché maintenant. Tu vas la libérer maintenant. Par la puissance qu'elle a. Par la puissance. Tête et le nom de Jésus. Et quand j'ai dit, ça t'a levé. Vous savez, qui sait ce qui reste après? Aïe, non, non. Les délivreurs. Ah, il y a pas de venir. Qu'est-ce qui reste à faire? Il est intérieur. Hein? Jeune. Hein? Non, les aveux. Amène-la doucement. Vous savez où l'amener, non? Doucement là-bas. Après ça, voilà. Les aveux. Le jour de détecter un esprit de la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, que un démon parte du nord, il faut passer par les aveux. Il est en santé. Le feu de Dieu.
dans ce ventre. Le feu de Dieu dans ce ventre. Au nom de Jésus. 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 Toute chair humaine. C'est ça que vous ne suivez pas le travail. Occupez-vous d'elle. J'ai bien parlé. Occupez-vous d'elle. Non, c'est pas comme ça que tu parles avec elle. Donne aux gens qui savent s'occuper de ça. Pas toi. Elle veut gâter ma vie. Oh.
Tu l'as initié à la sorcellerie. Aya, tu l'as initié à la sorcellerie. Aya, toi, on est au bout. C'est ça? Tiens. C'est ça, Aya? C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Et pourquoi? C'est cela que tu as donné la sorcellerie. Oui, oui. Comment tu as donné la sorcellerie? Tu lui as donné la sorcellerie comment? Il marchait avec sa fille. Mm-hmm. Avec la même fille. Mm-hmm. Elle m'a donné. Tu as mangé, tu es devenu sorcière. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait de sa vie? Qu'est-ce que tu as fait de sa vie? Non. L'esprit de sorcellerie qui est en elle, qu'est-ce que l'esprit a fait? Depuis que l'esprit est en sa vie, qu'est-ce que l'esprit a fait? Et tu as gâté la vie de qui aussi? Tu as gâté la vie de